Bonjour à tous, l'aventure a été belle, mais elle est terminée pour le Stade Rennais. Battu 3-0 par les Anglais, Rennes a coulé. En huitième de finale, retour de la Ligue Europa, les joueurs de Julien Stéphan n'auront pas démérité, écrit le journal Ouest France, surtout en seconde période. Ils sortent de la compétition après un beau parcours et de magnifiques souvenirs pour les supporters. À domicile comme à l'extérieur hier soir, les Bretons se sont déplacés en nombre pour soutenir leurs joueurs dans cette campagne européenne. À Londres, ils étaient 6000 hier. Le journal L'Équipe de son côté lâche un game over en pleine une et souligne qu'il n'y a plus aucun club français en Coupe d'Europe. En Angleterre, la victoire d'Arsenal fait la une partout. Enfin, c'est surtout le buteur masqué qui s'affiche. Pierre-Emerick Aubameyang a sorti le masque du Black Panther pour célébrer son doublé. Cette célébration du super-héros de Marvel a inspiré et a beaucoup fait rire les tabloïds. Le buteur gabonais n'en est pas à son premier coup d'essai. Avec Dortmund, il avait déjà sorti le masque Spider-Man, puis celui de Batman. Le week-end dernier, contre Manchester United, il avait déjà voulu sortir celui du Black Panther, mais il n'a pas pu le trouver au moment de son but, rapporte le Daily Mail. Et Obam, le super-héros, partage ici la une avec Manchester City sur le Sun, où on apprend que le club anglais pourrait être interdit de recrutement lors des deux prochains mercato. Visé par une enquête de l'UEFA, les Citizens risquent gros, tout comme Chelsea qui a reçu une peine identique il y a moins d'un mois. Les deux clubs sont accusés d'enfreindre les règles concernant les transferts de mineurs, notamment. Et le mercato, certains l'ont déjà commencé. On vous l'annonçait hier, c'est désormais officiel. Eder Militao rejoint le Real Madrid. C'est la première recrue de Zinedine Zidane depuis son retour en début de semaine. Il n'aura donc vraiment pas tardé. Le jeune défenseur brésilien du FC Porto débarquera le 1er juillet prochain dans la capitale espagnole contre un chèque de 50 millions d'euros. C'est le défenseur le plus cher de l'histoire du Real Madrid, s'exclame le journal Marca. Et Barcelone, de son côté, s'active pour le recrutement d'un attaquant. Selon le quotidien catalan Sport, les dirigeants du Barça se seraient déplacés à Milan pour examiner le dossier de Luka Jovic, l'attaquant serbe de Francfort, prêté par Benfica cette saison. Pourquoi à Milan? Parce que l'Eintracht Francfort jouait hier à San Siro et a battu l'Inter sur le score de 1-0. But de qui? Luka Jovic. Et enfin en Italie, le Corriere dello Sport enrage contre la presse barcelonaise, contre Mundo Deportivo plus précisément. Ils veulent que CR7 soit suspendu, dénonce le quotidien italien, en montrant la page du journal espagnol où on peut lire « CR7 a des ennuis », photo à l'appui, après son geste mimant Diego Simeone face aux supporters de l'Atlético. Pour l'instant, les instances officielles ne se sont pas exprimées à ce sujet. Et on se quitte par une information RTL qui annonce que Adrien Rabiot est mis à pied à titre conservatoire par le Paris Saint-Germain. Il est convoqué le 27 mars par le club parisien pour sa sortie en boîte de nuit après l'élimination face à Manchester United. Toujours selon le média français, cet entretien pourrait aller jusqu'au licenciement pour faute grave. Affaire à suivre. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous et à très très vite sur Foot Mercato.